Eh bien, mesdames et messieurs, si vous le souhaitez, nous allons procéder à la première masterclass. C'est avec un grand plaisir que nous recevons ici au Negresco le club des professionnels du vin. Voir que les vins de Bandol sont des vrais vins de garde et de gastronomie, ce sont des vins qu'on peut effectivement allier sur tout type de cuisine. C'est tellement difficile de faire simple que, en fait, on a une vision aromatique. Mais... avec une robe déjà relativement ombrée, tout en gardant un joli soutien et belle profondeur. Pour en 2003, j'estime qu'il y a une grande fraîcheur encore à travers ce vin. Rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs, à 14h30, pour quelque chose qui devrait également vous ravir le palais, notamment avec de très belles sélections parcellaires du domaine Chapoutier d'un l'Ermitage. Merci et belle fin de journée, à tout à l'heure. Un ermitage greffieux de la colline du Méal, donc les contrebas de la colline du Méal. On va retrouver le côté alluvion fluvial. La première bouteille qui vous est servie, c'est l'ermitage de Loré en 2007. Peu ce que le terroir peut amener d'une parcelle à une autre sur un même millésime. Nous sommes ici avec un vin blanc au caractère plutôt frais, digeste. Moi je verrais bien aussi un poisson pour les gens qui ne mangent pas de viande.